Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Iska Malinois. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma capouille. Le thème de la vidéo, c'est vous préparer à partir en vacances avec votre chien. Ce qu'il faut faire attention, ce qu'il faut pas oublier de prendre, etc, etc. Jingle. Je me suis occupée du feu tout le matin et du coup genre là il m'a dit prends-moi en vidéo en train de faire le feu. Comme ça il fait genre c'est lui qui a fait le feu. T'arrêtes de dire la porte. En plus c'est qui qui a fait le feu hier soir? Oui c'est toi, mais ce matin c'était moi. Ouais, mais t'as fait tellement bien le feu qu'il a pas tenu. Oui bah c'est normal, un feu ça s'éteint. Hein. Ouais, je suis réveillée depuis beaucoup plus longtemps que toi. Ouais mais moi faut que je sois en forme pour mes abonnés. Eh oui, ma lolotte. Regarde, regardez la seule flamme qui perd. Qui perd. Je comprends pas qu'un feu ça s'éteint. Qui perdure. Si on n'alimente pas. Ah bon? Ah bon, qui me dit? T'as une réclamation à faire? Une réclamation? Ouais. J'ai une réclamation que je suis chez un certain forfait de téléphone que je ne dirai pas parce que je n'ai pas de sponsoring. Je payais 6 euros par mois pour 80 gigas d'internet, plus tout illimité. Hein. Et là, ils m'ont passé à 15 euros sans me prévenir parce qu'ils m'ont mis la 5G. Mais j'ai un iPhone 10. Donc, j'ai pas la 5G sur un iPhone 10. Voilà. C'est ça, sinon, on a Alzan, les gars. Franchement, c'est cool. Hein. Parce que c'est de la forêt, quoi. Franchement, c'est cool. Non, mais parce que les forfaits, c'est bien, mais on a Alzan, c'est encore mieux. Alors là, nous sommes partis en vacances à la montagne, à Alzon, pour ceux qui connaissent. Donc je vais vous parler vite fait un petit peu des dangers que vous pouvez rencontrer avec votre animal. Parce que si vous avez un animal comme le mien qui est habitué à la ville, par exemple, là, directement, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Iska joue beaucoup avec les balles. Et là, nous voyons des châtaignes. Alors je vous garantis que si elle prend ça dans la bouche, vu la taille des épines et quand je m'en suis pris une dans le doigt hier, je peux vous dire que là vous allez passer du temps à la pince à épiler, à enlever ça dans la bouche de votre chien. Donc il faut faire très attention. Vous voyez là je les ai mis sur la table parce qu'ils étaient par terre. Donc ça par exemple, dès que je suis arrivé, j'ai vu ce premier danger qui a été repéré immédiatement. Ensuite, nous avons aussi, bien sûr, et bien évidemment, les animaux sauvages, la faune et la flore. Exemple, ici, les volets. La maison, elle n'a pas été ouverte depuis un moment. Dans les volets, quand je les ai ouverts, il y avait des chauves-souris, il y avait des lézards. Bon, les lézards, c'était pas des... Ça va, ça part vite. Le chien, normalement, il n'a pas le temps de les attraper. Sauf que là, les chauves-souris, elles sont tombées au sol, les pauvres. Parce que j'ai ouvert les volets, je ne savais pas. Elles sont tombées par terre. Elles se sont mises en défense, elles n'ont pas bougé, elles sont restées comme ça. Donc on a attendu qu'elles partent pour pas leur faire de mal. Mais en attendant, bah Iska, je l'ai enlevé, je l'ai mis loin. Parce qu'on sait pas ce qui peut se passer si Iska va vers la chauve-souris. Imaginons elle a mort. Imaginons la chauve-souris mort Iska. Imaginons elle est infectée de bactéries ou je ne sais quoi. Et ben là, à mon avis, c'est veto directement. On est à la montagne, il n'y a pas de veto à moins de 40 km. Ensuite, vous devez faire attention au terrain. Et oui, si vous laissez librement votre chien et qu'il a l'esprit aventurier, vous faites tout le tour, vous regardez les clôtures, si tout est bien fermé, si il n'y a pas de trou possible où le chien peut passer. Moi par exemple, là vous voyez, hein, hop là, elle a juste à faire ça et elle est dehors. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a dehors? La route. Alors il n'y a pas beaucoup de voitures, mais il suffit d'une fois, il suffit qu'elle aille dehors une fois et qu'elle se fasse écraser et le chien, c'est fini. Et puis là, vous voyez hein, les clôtures. Enfin, voilà, le chien il passe comme il veut. Donc, moi personnellement, quand elle est dehors, je la laisse pas sans surveillance. Je suis toujours avec elle. Voilà, si je dois partir, je la laisserai pas dans le jardin par exemple. Ensuite, faites attention aux pièges. Quand je vous parle des pièges, par exemple là-dedans, là, ce que vous voyez, et là-haut, il y a de la mort au rat. Donc un chien qui bouffe de la mort au rat, on sait très bien ce que ça fait. Donc on évite. Donc moi, Iska, elle n'a pas le droit d'aller là-dedans. Elle n'a pas le droit d'aller là-haut non plus.
Voilà, on a été prévenu par les propriétaires. Donc on le sait. Mais sinon, j'aurais fait un tour partout. Moi, j'ai fait un tour dans toute la maison avant pour voir s'il n'y avait pas des dangers pour le chien. Des pièges à souris, des poisons. Voilà, on est dans la campagne. Les gens utilisent pas mal de choses. Donc on fait attention. Donc là, nous partons pour une petite balade capouillesque sur un chemin alsancien. Et ensuite, je vous parlerai des ustensiles qu'il faut prendre quand vous partez en voyage avec votre chien. Nous avons parlé de quoi il fallait faire attention. Et ensuite, nous parlons de ce qui est évident et inévitable à prendre avec vous dans votre voiture, dans votre location, quand vous partez en vacances. Nous sommes actuellement à la recherche de prédateurs. Qu'on appelle les cèpes. On est dans le décor de Jurassic Park. À tout moment, nous pouvons nous faire attaquer par un dinosaure. Un dinosaure sauvage tel. Ah, t'es con. Et n'oubliez pas, messieurs, dames, que si jamais vous voulez suivre un peu plus de vidéos sur ces aventures que nous parcourons avec Iska, vous avez mon Instagram dans la description, doudzi83, des stories tous les jours, des photos quotidiennement, des sondages, etc. Donc vraiment, un bonus de contenu pour vous. Je vous aime. Du coup, quand vous embarquez vos chiens, les objets essentiels, vous avez donc les croquettes, priorité, une laisse, un collier, un harnais selon utilisation, si vous allez faire du vélo avec, etc. Une trousse de secours. Et oui, parce que quand vous allez dans des endroits comme ça où il n'y a pas de véto, où il n'y a pas de véto à moins de 30 km, et ben si le chien se prend une épine, faut une pince à épiler. S'il y a une infection, faut du produit rouge, du désinfectant, pas mal de choses comme ça que vous avez dans une trousse de secours. Pensez à prendre du sel et de l'eau aussi pour faire vomir le chien si jamais il a mangé quelque chose de négatif pour sa santé. Ensuite, pensez à prendre quelque chose pour quand vous le laissez tout seul. C'est-à-dire que moi, je l'ai habitué à la radio. Donc du coup, je prends une petite radio portative où là, je la laisse dans la maison. Ça lui fait du bruit. Et quand je pars tout seul sans elle dans un endroit qu'elle ne connaît pas, que je la laisse dans un endroit qu'elle ne connaît pas, elle est toujours rassurée. Je lui laisse un t-shirt à moi et ses affaires, bien sûr. Vous pouvez prendre des jouets pour éviter de balancer des pommes de pin ou toutes ces conneries-là dans sa gueule. Vous pouvez prendre des jouets. Bien sûr, vous prenez les gamelles. Vous prévoyez à boire dans le coffre. Je vais vous montrer l'installation que j'ai
dans ma voiture pour le chien. Tu restes? T'es prête? Monte! Allez! Ouais! Oh, allez, mon cœur! Oui, mon bébé! C'est que mon chien, ça! Ouais, c'est bien, mon cœur! Alors, pour une fois, je change un petit peu le concept de la vidéo. C'est-à-dire que je vous fais une longue vidéo, plutôt sympa. Et tout au long de cette vidéo, vous aurez des astuces, du coup, concernant le voyage, les vacances avec votre chien. Donc comme ça, vous pouvez la regarder en entière, directement. Et voilà, toutes les deux minutes, je vous balance des petites astuces. Donc là, on va essayer de trouver un petit restaurant où la capoue, elle est acceptée. De magret, de canard. Ouh. La capoue. Petite astuce quand vous devez laisser votre toutou, du coup, vous voyez, on a les ventilos qui empêchent que le toutou soit au chaud avec une gamelle d'eau. Voilà, toujours laisser la voiture à l'ombre, regardez la place, bien à l'ombre, et les fenêtres ouvertes. Voilà, parce que là on va dans un endroit où le toutou ne peut pas venir, donc du coup il faut s'assurer que le toutou soit confortable. Du coup, les images que vous avez vues, c'est une grotte qu'on a visitée. Donc on a pris un funiculaire, on est descendu. Et puis voilà, donc vous avez eu les images de ce qu'on a vu en direct. J'ai pas pu prendre Disca parce que vous vous doutez bien que c'est trop dangereux. Donc là, je vais récupérer la capouille. Donc je vous ai dit qu'il fallait toujours prendre une trousse de secours quand vous partez avec votre chien en vacances. Petite anecdote, hier, Disca s'est fait piquer par un insecte. Et du coup, elle avait les babines toutes gonflées, donc j'ai pas filmé parce que c'était dans la nuit et que j'étais plus occupé à la soigner plutôt qu'à vous filmer ça, ce qui semble évident. Et donc du coup, voilà, bah, j'avais la trousse à pharmacie, dedans j'avais des cachets, esprit pour les piqûres et les allergies, et donc je lui ai donné, aujourd'hui elle va très très bien. Je ne vous dirai pas le cachet que je lui ai donné, parce que si jamais votre chien tape une allergie au cachet à cause de moi, voilà, vous vous débrouillez, vous regardez des cachets pour les allergies. Mais voilà, pour les piqûres d'insectes, d'orties et tout ça, c'est toujours bien d'avoir ça dans sa voiture. Essaye la seconde, c'est cool dans la gueule là. Allez Capou! Allez Capou! Allez Capou! Ouais! Allez Capou! Allez ma Capou! Tac tac tac. Après une petite balade en voiture, une petite rafraîchisation. Et le secou-secou. Ouais.
c'est le cas. C'est quoi, Par rapport à la trousse de secours que je vous parlais, qu'il faut absolument avoir dans votre voiture quand vous partez avec votre toutou. Vous avez des trousses de secours comme ça, standard, que vous achetez sur Amazon. Ça coûte une vingtaine d'euros. Et ensuite, seulement, vous rajoutez dedans vos trucs. C'est-à-dire que de base, il y a un désinfectant, il y a des petits ciseaux, il y a une capsule de crocs, il y a des cotons-tiges, il y a du sel, du désinfectant. Ensuite, là-dedans, vous avez tout ce qui est bon pour coups et blessures. Voilà, donc des compresses, ça c'est pour le congélateur, c'est de la glace, des bandes, voilà, ça c'est pour les coups et blessures de votre chien. Là, vous avez les fameux cachets anti-allergiques, pour, comme je vous ai raconté, quand le chien se piquait par une bête. La bétadine, c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà, ça c'est le strict minimum. Vous avez une pince à tique ici pour retirer les tiques au cas où. Voilà, c'est vraiment le strict minimum que vous devez avoir quand vous partez en vacances plusieurs jours avec votre chien, surtout quand vous partez en forêt, à la montagne ou autre. Donc là, c'est notre dernière petite après-midi à la montagne. Voilà. Et après cette petite après-midi à la montagne, nous allons direction Saint-Cyr, Aix-en-Provence, Marseille bébé. Et donc, après la montagne, rendez-vous à la mer. La capote qui surveille ses grands-parents. Il revient avec un grand smile. Ouais, pour monter, ouais, par contre, sympa. C'est cool, hein? Ouais, super cool. T'imagines? Allez, c'est le dentiste, on a pour 5 minutes avec ça. Ouais, tu vas m'apprêter pour toi. On a pour 5 minutes. Tu vas pas m'apprêter. Et ça y est, c'est le départ, on est reparti direction le 13, les Bouches-du-Rhône. C'est parti pour 4 heures de voiture, let's go. Ils veulent pas, hein. Allez, 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 allez. Si tu sors les skates, tu crois qu'il viendrait pas? Je pense pas, non. Allez, viens. Super! Allez, viens! Tu laisses la voiture comme ça? C'est pas grave. Allez! Allez, c'est la chasse, ce truc. Ils sont où? Je pense que c'est des chiens de chasse et qu'ils doivent être dans la battue, mais je sais pas si c'est pas. Si... Ah, je sais pas, ils se tournaient autour du mec. Hein. Par le cadavre, ou alors. Ouais. Ou alors. Dites-moi là sur YouTube en même temps, dans les commentaires, il y a un mec qui s'est arrêté avec une camionnette, un chasseur, il a lâché deux chiens et il s'est barré avec sa voiture. Vous, s'il y a des chasseurs là dans ma vidéo, est-ce que vous faites ça? Genre vous laissez les chiens comme ça et. Ils vont chasser, après vous les récupérez le soir. Parce que là, les chiens, ils n'avaient pas l'air d'avoir envie qu'on les récupère. Hein. Ah non, pas du tout. Hein. Donc, peut-être que les chasseurs, c'est une habitude qu'ils font ça. Hein. Je sais pas. Mais là, en tout cas, ils sont partis dans la forêt. Voilà, impossible de les rattraper. Oh, j'espère que ça va aller. Bah, ouais. Mais t'avais pas l'air d'avoir peur, mais... Mais là, ça va, ils sont plus sur la route. Ouais. Déjà... J'espère que... Petite pause pipi sur l'autoroute. Voilà, après 3 heures de route, petite pause pour la toutoune. Tu fais pipi, mon cœur? Allez, allez. Tu fais pipi. Voilà, ça c'est bien, ça pipi. Voilà, donc c'est très important de faire des petites pauses pour que votre chien se dégourdisse les pattes et fasse ses besoins. Donc c'est très important aussi de lui apprendre le mot pipi. Qui sache, vous voyez là, elle n'est pas excitée, elle est sans laisse, on est au bord de l'autoroute, elle est tranquille, elle sait qu'on n'est pas là pour jouer ou quoi, elle sait qu'elle est là pour faire ses petits besoins. Bon allez, on va reprendre l'autoroute et let's go. Hein. Ah, ma capouille. On trouve sur la route. Et voilà. Ah si, ouais, t'es un peu sur la route. Nous sommes arrivés à notre nouvelle destination, motherfucker.
Ça vous fait du bien d'être arrêté? Ouais. Moi ça me fait du bien. Pipi. Allez pipi. Allez pipi. Pipi. Voilà le premier matin. Regardez la chance qu'on a. On a l'appartement. Donc on n'a pas de jardin. Mais par contre dès qu'on ouvre, on a un pipi room. Pour Capou, ça c'est pas magnifique. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Wow. Regardez-moi cette vue magnifique, ma chérie. T'es arrivé au port des Lecs. OMG. Nous sommes arrivés au port, pas d'Amsterdam. Parce qu'il fait un peu plus chaud qu'Amsterdam ici. Et nous allons voir ma soeur. Non, on va juste aller voir le menu. On va aller voir le menu de ma soeur. Le menu de ta soeur. Savoir si on peut la manger. Voilà. Avec la capouille. Pourquoi tu marches comme un sgeg? C'est pour faire. Parce que tu vois, au lieu de faire un clip avec des bandes noires et mettre de la musique en mode stylé et tout, tu vois. Je suis sur un truc rigolo, tu vois, au montage. Oui, mon papa il fait n'importe quoi. J'ai obligé d'être filmé avec lui. Expliquer aux abonnés que maintenant Iska parle. Maintenant on lui a créé une voix à chaque fois qu'elle vient nous voir. C'est... Oui, alors il fait chaud ici. C'est bien. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites depuis une semaine? Vous m'emmenez à droite, à gauche, partout. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Ah non, moi je veux pas rentrer à la maison. Regardez comme elle est heureuse. Ah ma capou. Eh oui, laissez-moi devant. On peut pas passer par là. Ah là 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 là, quelle vie. Là vous avez 2-3 gros mulets. Alors je sais pas si je pourrais les zoomer au montage. Sinon bah de toute façon je vous parle dans le vide parce que je le mettrai pas. Ou juste je le mettrai parce que c'est drôle ce que je viens de dire. Ça va monsieur, je t'envoie les 4 mulets, mais non mais. Oh moi je me trouve drôle. Mais non. Oh regarde le chien là-bas, filme-le. Un dog allemand, mesdames et messieurs. Voilà, reporter sans frontières. Regardez comment il est énorme le dog allemand. Ça va être prêt, ça va lui donner à manger là. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, à manger. La capouille elle est en train de dire oh, mais moi je veux pas avoir ce chien là, il est beaucoup trop grand. Alors vivre avec un mec qui fait des vidéos, un petit youtubeur de YouTube, c'est pas facile tous les jours parce que monsieur s'arrête à tous les endroits pour faire des vidéos, il me demande de filmer tous les endroits. Alors que moi j'ai juste faim et je veux juste trouver un restaurant. Mais non, vivre avec un youtubeur, c'est pas facile tous les jours. Ouh. Avec ta petite gamelle d'eau. Donc là on s'est installé un petit restaurant. Je tiens à vous dire que depuis hier soir, tous les gens qu'on croise sont fans d'Iska. Tout le monde vient la caresser, tout le monde dit oh c'est un beau toutou machin. Très belle mentalité dans cette région. Prenez exemple tous les gens là. Parce que c'est très 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 important. Oui oui, tout le monde m'aime bien ici. Ça y est les gars, ma caméra girl commence à être briefée. Elle a allumé la caméra sans que je lui demande. Regardez cette vue, ce spectacle, ce panorama. Je vous souhaite à tous de balader votre chien dans un tel paysage. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir des previews de vidéos en avance, vous avez mon Instagram, doudi83. Parce que là, cet endroit, bah les gens qui sont sur Instagram, les gens qui sont sur Instagram vont le voir avant vous. Donc vous... n'oubliez pas de vous abonner à mon Insta. Vous avez mon Insta aussi si vous voulez voir. Oh, oh t'as fait ça, ça coûte sur les vidéos YouTube. Là, mon Insta c'est... non, j'ai rien dit. Ha 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 ha
Ma chaîne YouTube. Et là, là du coup je suis en train de tourner un vlog ici, donc je vais faire une vidéo ici la prochaine fois. Ici vous pouvez voir, c'est la carrosserie de la gare de Métureux. Ouais. Et ils sont maillants, tout ça. À pas mes mains. Ok. Je suis plutôt faux folle. Ouais, bah ouais. Et voilà, au plus je garde. Non, ma cap. Voilà, abonne-moi, ajoutez. Ça vous aurez. Dès que vous allez sur YouTube, vous allez avoir les nouvelles vidéos à chaque fois que ça sort. Et... ton numéro, bah, c'est lourd. Ouais, c'est ça. Le numéro est directement sur la carte. Petite astuce aussi, on parle de vacances avec les chiens. Il est agréable, avant de partir en vacances, d'apprendre les plusieurs types. Les types de marches différents avec le chien. Par exemple, quand on est en ville, qu'il y a beaucoup de monde, on pratique la marche au pied, comme là je suis en train de faire avec Iska. Quand on arrive dans un endroit un peu plus ouvert, on pratique la marche doucement, comme là je suis en train de faire. Donc voilà, c'est le chien à toute la laisse. Et quand on arrive dans un endroit où on peut lâcher le chien, il est important d'avoir un rappel parfait. Parce qu'une voiture qui arrive, un vélo, un autre chien ou autre, il est très important d'avoir un rappel parfait. Donc d'où l'intérêt de passer par plusieurs étapes d'apprentissage avec le chien avant de partir et d'être tranquille comme on est actuellement quoi. Comme il est aussi très important de faire voir un maximum de choses à son chien pour pas qu'il ait peur d'un simple bruit, d'un simple cri, d'une voiture qui passe trop près. Donc voilà, vous voyez comment moi je la balade. Si elle veut aller voir les gens, les réunités, vous voyez la trottinette, hop. Il faut faire découvrir un maximum de trucs à votre chien et arrêter d'être toujours en tension, de prendre votre chien. Non, 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 reviens, non, il y a un chien, reste au pied, ah, n'y va pas, ah, non. On laisse vivre le chien tranquille et on le laisse profiter pleinement. Soyez détendu, agréable et tout va bien se passer. Dites bonjour aux gens que vous croisez, ayez le smile quoi, la vie, on la vit qu'une fois, enfin, je pense. C'est un fameux Mali, un fameux Mali, malinois. Oh, c'est Iska. Tu vas donner le ballon ? On va faire un cache-cache. Iska, cache-cache. Cache-cache. Mais toi, quand je dis cache-cache, elle va se cacher. Laura, elle cache le ballon. Iska. Attends. Elle cherche. Cherche le ballon. Elle cherche. Cherche le ballon. C'était trop fort, le tour de sa cache. Et voilà messieurs, dames, c'est le dernier jour, c'est le jour du départ, le jour où nous faisons les valises, le jour où le chien rentre chez lui. Donc,
Eh ben, vous avez vu un petit résumé. Iska s'est fait piquer par un insecte, donc la trousse à pharmacie a été primordiale. Bon, les croquettes, l'eau et tout, vous avez vu. Quand vous partez et que vous laissez votre chien dans la maison alors que c'est pas la sienne, vous avez eu les petites techniques. Vous avez comment mon coffre est configuré pour faire de la route avec le chien. Voilà, on a vu pas mal de choses dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous allez donner de la force, les gars. Parce que là, on est dans le mal sur la chaîne YouTube. C'est pas encourageant, ça, les gars. J'espère que vous allez donner de la force, le petit commentaire, le petit like, le partage, voilà. Ça fait toujours plaisir. Et parce que là, sur cette vidéo, il y a un taf de malade. Et merci les vrais, ceux qui m'entendent là actuellement, c'est que vous avez regardé la vidéo en entier. Donc si vous avez regardé la vidéo en entier, on va faire un petit truc. Vous mettez hashtag Team Malinois en commentaire. Et là, je saurai qui sont les putains de frérots qui regardent et de sœurettes, qui regardent la vidéo jusqu'au bout, les reufs, voilà, c'est Marseille bébé, voilà, c'est le 13 qui monte à la tête. Macabouille, tu viens faire un petit bisou? Voilà, petit bisou. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Petite interview surprise, elle est pas au courant. Tiens, je te donne la caméra, voilà, et tu réponds à ma question. Alors, qu'est-ce que ça fait de partir en vacances avec un chien comme Iska? Oh bah c'est le bonheur, elle obéissante et tout, elle a qu'une envie, c'est de jouer. Non, franchement c'est le bonheur, elle écoute tout ce que tu lui dis et tout, même tout ce qu'on lui dit. Ah non, c'est trop bien, moi je veux pas partir sans Iska. Et les contraintes, partir avec un chien comme Iska, je parle pas d'un chien en général qui coûte rien, qui fait ses besoins partout, qui voilà, un chien qui est vraiment... C'est vraiment une interview vraiment... là. Ouais, c'est et qui te dit que j'ai envie de parler à la caméra? Ah bah écoute. Les contraintes, il y en a pas beaucoup, c'est juste que Iska tu l'emmènes partout, donc ça va, tu vois, genre s'il y a des chiens qui peuvent pas aller au restaurant et tout, c'est un peu plus chiant parce qu'ils sont trop... Iska ça va, après les contraintes c'est pour partir dans des pays étrangers où il faut prendre l'avion. Ah oui, c'est ouais. Compliqué. Là mais, c'est sûr. Non franchement j'en vois pas énormément de ce qu'on a fait, en tout cas les vacances qu'on a passées nous, franchement c'était top. Et ben voilà. C'est bon? Du coup, éduquez vos toutous et vous verrez, c'est vraiment un plaisir. Vous pourrez les emmener partout. Voilà, c'était le petit interview surprise. Super. J'étais pas au courant. C'est...